Début mercredi de la revisitation du contrat signé en 2008 entre le gouvernement et le groupement des entreprises chinoises Infrastructure contre Mine. La première réunion de ce processus a été présidée par le directeur des cabinets du chef de l'État. Elle a connu la participation de l'IGF, des représentants de la GKMine et ceux de la SICOMine. Il était question de ressortir le dysfonctionnement, le déséquilibre que le gouvernement doit examiner et éventuellement endosser pour entamer les négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir le rééquilibrage souhaité, a précisé Jules Alinghetti, inspecteur général des finances. A rappelé aussi que la volonté du chef de l'État est de revisiter cette convention.